यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। सी सुतारे भूई धरे तब बैठे घर माही। सी सुतारे भूई धरे तो पर राखे पाँव, दासक बीरा यो कहे ऐसा होए तो आओ। Au plus haut pic se dresse la demeure de Kabir, mais le sentier raide et même la fourmi glisse. Tant d'érudits pourtant voudraient s'y engager, emportant sur leurs buffles tout le poids de leurs livres. Au plus haut pic se dresse la demeure de Kabir, mais le sentier raide et même la fourmi glisse. Tant d'érudits pourtant voudraient s'y engager, emportant sur leurs buffles tout le poids de leurs livres. Sur le bord du chemin se tient l'âme anxieuse. Dès qu'un passant s'approche, elle court l'arrêter. Dis-moi donc, ne sais-tu rien de mon aimé? Dis, quand reviendra-t-il s'unir à moi? Une vie, une œuvre. Kabir, le vagabond céleste. Par Claude Métrat et Jean-Claude Loiseau. Voici plus de 2000 ans, on racontait aux Indes comment le vénérable Markandeya, en quête alors du grand secret, aperçoit au milieu des ténèbres et de l'océan désertique un enfant merveilleusement beau, lumineux, et cet enfant joue dans un arbre immense. Et selon la version que nous en a donnée le grand indianiste Heinrich Zimmer, l'enfant s'adresse ainsi au vieillard parce que Markandeya a alors plus de 1000 ans. L'enfant lui dit « Sois le bienvenu, Markandeya, n'aie pas peur, mon enfant, viens par ici, je suis ton père et ton aïeul, l'être primordial qui confère toute vie, je suis l'homme cosmique primordial, je suis le premier des immortels. » Et selon le commentaire qu'en a donné Pierre Gallet dans son livre sur Perceval, et on verra qu'il y a peut-être plus d'un rapport entre l'époque de notre troubadour et l'époque que nous aborderons ici en Inde, eh bien, l'arbre, c'est l'arbre cosmique, c'est le lotus primordial jailli du milieu de l'océan illimité. Et l'enfant primordial n'a aucune raison d'y monter pour y désigner un ciel illusoire, puisqu'il est lui-même et l'arbre et le ciel et l'océan et la ténèbre. Et, Guy de Lory, si j'ai évoqué ici le lotus, c'est qu'il joue un rôle dans la légende qui entoure le poète qui va nous occuper aujourd'hui, le poète Kabir. Une légende qui dit sur le lac où s'épanouit la beauté des lotus est apparu Kabir. Autour de lui, avec joie, volaient les bourdons. Entouré d'une nuée d'oiseaux, il est venu un lundi de pleine lune, et on verra tout le rôle que joue la pleine lune précisément dans la cosmogonie de Kabir, le 14e jour du 13e mois de l'an 1455. Si grande est sa compassion qu'il descendit du ciel pour raffermir la foi des faibles. Rappellera que 1455, c'est dans nos pays la fin de la guerre de Cent Ans, et c'est les affrontements du monde moderne naissant. Et au-delà de la légende et des légendes, il faut dire que la vie de Kabir nous reste fort énigmatique. Le véritable mystère, c'est peut-être que ce poète qui a joué depuis le XVe siècle un rôle si essentiel dans la poétique et dans la pensée religieuse de l'Inde, ben, ce fut probablement un illettré, un humble tisserand qui ignorait toutes les ressources de l'écriture. Alors il nous faut revenir, parce que là on a quelques certitudes, sur l'espace premier de cette vie. Et l'espace premier de cette vie, c'est Bénarès. Et à travers les vicissitudes de cette immense cité, on peut essayer de baliser un peu le vraisemblable parcours de celui qu'en notre Moyen-Âge, on eût appelé un fou de Dieu. Un fou de Dieu comme il y en avait tant à cette époque en Inde, comme il y en a eu tant avant lui, comme il y en aura tant après nous. Kabir est l'un des poètes que je préfère. Même Montukaram, Marat,
qui lui aussi était un paysan, il n'a pas bénéficié de cet extraordinaire apport que Kabir a eu, à savoir d'être né de deux sources différentes, de deux racines différentes, la racine musulmane et la racine hindoue. C'est à Bénarès, dans ce creuset de la vie religieuse ancienne, que cette fusion, cette confrontation des deux espaces religieux se manifeste avec le plus d'intensité. Surtout dans les milieux de Bénarès, où se rassemblaient à la fois les mystiques musulmans, les soufis, et les mystiques hindous. À l'époque, c'était surtout des Nath Pant, c'est-à-dire des membres d'une secte très nombreuse dont l'origine remonte peut-être au Tibet. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'à ce moment-là, à Bénarès, on jouit d'une relative tolérance, ce qui n'a pas toujours été le cas, puisque à d'autres époques, enfin, le pouvoir musulman va au contraire s'affirmer avec beaucoup d'autorité. Au moment où apparaît Kabir, une relative quiétude pèse sur la cité. Il y a eu, tout à fait au début de la pénétration musulmane en Inde, qui est venue par l'Afghanistan et le Pakistan actuel, il y a eu des massacres. Et puis, les musulmans ont pris le pouvoir à Delhi, ils ont fondé un sultanat, et ils se sont indianisés, c'est-à-dire qu'ils sont devenus tolérants. Et du temps de Kabir, cette tolérance était très grande, et les prédicants musulmans pouvaient très bien admettre parmi leurs disciples des hindous et réciproquement. Un peu plus tard, lorsque les grands moghols seront empereurs à Delhi, la situation va changer, et surtout avec le terrible Aurangzeb qui va détruire Bénarès, détruire Mathura, détruire Ayodhya aussi, le lieu de naissance de Ram. Donc, au temps de Kabir, il y avait une merveilleuse symphonie entre les musulmans et les hindous, surtout au niveau des mystiques. Et moi, je considère Kabir comme un des plus purs mystiques du monde. L'âme est-elle en l'aimé ou bien l'aimé en l'âme? L'âme est l'aimé, et je ne sais si dans mon corps est l'âme ou bien l'aimé. Je ne suis ni pieux ni athée. Je ne vis ni selon les commandements ni selon ma raison. Je ne suis ni orateur ni auditeur. Je ne suis ni serviteur ni maître. Je ne suis ni libre ni enchaîné. Je ne suis ni attaché ni détaché. Je ne suis loin d'aucun. Je ne suis près de personne. Je n'irai ni aux enfers ni au ciel. Je travaille à tout et cependant je suis en dehors de tout travail. Peu me comprennent. Celui qui m'a compris demeure en paix. Kabir ne cherche jamais ni à créer ni à détruire. Le vrai nom n'est semblable à aucun autre nom. Le savoir est la branche, le nom est la racine. Cherche la racine, tu seras heureux quand tu l'auras trouvée. La racine te conduira à la branche, à la feuille, à la fleur et aux fruits. Ce sera ta rencontre avec le Seigneur. Ce sera la réalisation de ta joie. Ce sera la réconciliation du conditionné et de l'inconditionné.
Il faut dire que dans cette cité de Bénarès, les pèlerinages sont nombreux et il y a aussi la manifestation vivante de ce mysticisme à travers l'abondance des temples, en particulier un grand temple à Shiva qui sera détruit plus tard. On dit, les gens, les Banarsiens, les gens de Bénarès disent qu'il y a un temple par jour, c'est-à-dire 365 temples à Bénarès. Ils disent que tous les dieux de l'Inde se sont donné rendez-vous à Bénarès. Ils disent que le maître de Bénarès, c'est Shiva, et Shiva, lorsqu'il est avec sa parèdre, son épouse, Parvati. Ils sont arrivés de l'Himalaya, qui est leur séjour original, où ils faisaient des méditations, et un jour, Parvati a trouvé que l'Himalaya était un peu rude, elle n'avait pas tout le confort auquel elle avait été habituée quand elle était petite fille dans le palais du roi de l'Himalaya. Elle a demandé à Shiva d'aller dans la plaine, de descendre. Alors Shiva a envoyé ses gnomes pour inspecter les lieux, et quand ils sont revenus, ils lui ont dit « La plus belle cité du monde, c'est Bénarès. » Alors Parvati a dit « Allons à Bénarès. » Seulement voilà, Bénarès était sous le contrôle d'un roi excellent, un bon roi, et il fallait trouver le moyen de l'expulser. Alors Shiva appelle tous ses amis, les autres dieux, d'abord bien sûr les danseuses divines, les apsaras qu'il envoie à Bénarès, les gnomes qu'il envoie à Bénarès, et tout ce monde se trouve si bien à Bénarès qu'il y reste et ne reviennent pas vers Shiva. En désespoir de cause, il appelle Vishnu. Et Vishnu arrive à Bénarès avec sa femme et son singe. Lui-même était déguisé en moine bouddhique, sa femme en monial bouddhique et le singe en monillon. Et il commence à prêcher dans les rues de Bénarès. Déjà à cette époque, les rues de Bénarès étaient tolérantes à toutes les prédications possibles. Et voilà que la population de Bénarès se convertit au bouddhisme. Or, dans le bouddhisme, on interdit de tuer. C'est la non-violence. Donc, on ne pouvait plus faire de sacrifices sanglants. Et ne faisant plus de sacrifices sanglants, les dieux n'avaient plus rien à manger. Alors, à ce moment-là, Shiva décide qu'il est temps d'intervenir. Et le roi lui-même, voyant que il ne pouvait plus imposer la loi des castes à Bénarès, puisque le bouddhisme ne reconnaît pas les castes, s'en va dans la forêt pour se réfugier dans la méditation. Il laisse le trône vacant et Shiva peut venir. Et alors, comme il y avait déjà tous les dieux, ils y sont toujours. Et si vous allez à Bénarès, si vous faites le tour de Bénarès, qui est qu'on considère comme une grande pelure d'oignons, Bénarès est entouré de 5 pelures d'oignons. Et si vous parcourez ce chemin, vous allez rencontrer tous les dieux de l'Inde. Danse mon cœur, danse de joie aujourd'hui. Des chants d'amour remplissent de musique les jours et les nuits, et le monde est attentif à leur mélodie. Folle de joie, la vie et la mort dansent au rythme de cette musique. Les monts et l'océan et la terre dansent. Au milieu d'éclats de rire et de sanglots, l'humanité danse. Pourquoi mettre une robe de moine et vivre hors du monde dans une orgueilleuse solitude? Vois, mon cœur danse dans la joie et le Créateur en est heureux. La lune brille au-dedans de moi, mais mes yeux aveugles ne peuvent la voir. Elle est en moi, ainsi que le soleil. Quand tout amour de moi et du mien sera mort, alors l'œuvre du Seigneur sera accomplie. Car le travail n'a pas d'autre but que la connaissance. Quand la connaissance est atteinte, le travail est laissé de côté. La fleur s'épanouit pour le fruit. Quand le fruit mûrit, la fleur se fane.
Cette richesse spirituelle de Bénarès a son reflet, pourrait-on dire, dans la prospérité économique et artisanale de cette cité. Et Kabir va précisément participer de cette activité particulière, de cette grande ville, et il va trouver abri, sans doute à la suite de son éducation, de son apprentissage familial, dans une corporation extraordinairement fascinante par tout ce qu'elle révèle de ses rapports avec le ciel et avec la terre, qui est la corporation des tisserands. Alors, le tisserand, ce n'est pas simplement une activité technique. Elle met en jeu, au fond, toute une image du monde qui, en Inde, est particulièrement vivace. D'autant plus présente que, dans la tradition ancienne, bien avant Kabir, au temps védique, donc avant notre ère, 1000 ans avant notre ère, il y avait un certain nombre d'hymnes du Veda, du Rig Veda, où l'on comparait la création, en effet, à un tissage. Car Dieu est fabricateur. Et pour fabriquer, bien sûr, pour avoir une idée, une image de cette fabrication, il faut trouver un des métiers qui implique la production de la beauté. Et la beauté qui frappait le plus les tribus nomades et les tribus stabilisées lorsqu'elles s'installèrent sur le Gange, c'était, bien sûr, le métier de tisserand. Quand ils découvrirent ensuite la soie, l'or, toutes ces merveilleuses soieries que l'on fabrique toujours à Bénarès, il était presque naturel de penser que Dieu ait créé le monde en le tissant. Il y a autre chose également. Non seulement les poètes ont considéré la création comme un tissage, mais les philosophes ont essayé de comprendre la nature de l'homme et du cosmos à partir de cette technique du tisserand. Et en particulier, au lieu de diviser l'homme et la nature entre deux mondes, celui de l'esprit et celui du corps, celui de l'âme et celui du corps, ils ont pensé que tout ce qui existe est une tresse où se mêlent et s'entremêlent trois sortes de fibres. Les fibres de lumière, les fibres de ténèbres, et entre les deux, les fibres de la passion. Et tout participe à cette tripartition des fibres qui se retrouve sur le plan des métiers, sur le plan de la nature des hommes et sur le plan des dieux. Si bien que, selon que vous êtes tissé de plus de fibres de lumière ou de plus de fibres de ténèbres, vous aurez telle nature et vous serez voué à tel métier. Comment me sauverai-je, ô maître ? Comment me sauverai-je ? Me voici tout chargé d'iniquité. Comment te servirai-je ? Comment méditerai-je sur toi ? Vois, je ne suis blanc que par-dessus, comme la grue. Vois, ma nature est très perverse, comme celle du serpent. Vois, ma dévotion n'est pas sincère, je suis fourbe comme le chat. Vois, mon âme est pleine de folie, enveloppée dans le voile des six systèmes. Dit Kabir, écoutez, ô serviteurs de Hari, le monde entier est tombé dans les pièges de la sorcière. Qui n'a percé à jour le secret de ce tisserand ? Il est venu dans le monde pour y tendre sa trame. Entre la terre et le ciel, il a fixé son métier. De la lune et du soleil, il a fait ses deux navettes. Il a pris 1000 fils dans toute leur longueur. Jusqu'à ce jour, il est à son travail, mais c'est dur et long. Dit Kabir, par le joint du carman, il tisse bon fil et mauvais fil, l'habile tisserand. Les tisserands n'appartiennent pas
aux hautes classes de la société artisanale. Ils sont plutôt en bas de l'échelle. Et surtout qu'une partie des tisserands s'était convertie à l'islam, déjà avant le temps de Kabir. Les tisserands sont devenus plus riches grâce aux musulmans à Bénarès parce que les musulmans aimaient les parures magnifiques, surtout dans toutes les cours de Agra, Delhi, Lucknow, etc., tout autour de Bénarès. Donc on venait chercher soit des tissus de soierie, soit de coton. Et vraisemblablement, Kabir appartenait à une famille musulmane de tisserands spécialisés dans le coton, c'est-à-dire dans les tissus bon marché. Il faudrait d'ailleurs ajouter à ce métier de tisserand celui tout proche de teinturier, parce que la recherche de la teinture, c'est aussi la quête de la couleur du monde. Et c'est un essai de reconstitution ou de résurrection de la création à travers l'invention des couleurs. Mais l'atelier dans lequel Kabir va poursuivre son artisanat, c'est un atelier familial, ce n'est pas une fabrique où des quantités de gens seraient impliquées, c'est une cellule relativement réduite. Et finalement, comme un peu dans les shops de Jacob Boehme, les gens vont venir là, comme autrefois on allait parler avec le bourrelier ou avec le cordonnier du village, pour écouter Kabir qui a une parole magnifique. On pense généralement que Kabir a été un très mauvais tisserand. C'est-à-dire que dès le départ, dès l'origine, dès qu'il était gosse, il s'occupait très peu de tissage. Il était en effet dans une échoppe où sa famille, ses parents, ses cousins sans doute, étaient occupés au tissage. Et comme tout le monde était occupé au tissage, il n'avait pas besoin lui-même de pratiquer son art. Son art à lui, c'était de tisser les mots. Et ce tissage, c'était un tissage purement oral. En tant que tisserand, il ne savait ni lire ni écrire. Et c'est très frappant, non seulement de Kabir, mais de la plupart des grands poètes de cette époque, ils ne savaient ni lire ni écrire parce qu'ils étaient composés de fibres de ténèbres. Ils n'avaient pas ces fibres de lumière qui étaient réservées aux brahmanes, qui eux étaient les spécialistes de l'écrit, du sanskrit. Eux, ils ne savaient pas le sanskrit. Ils ne savaient pas non plus l'arabe, et pourtant ils connaissaient très bien le Coran. Pourquoi ? Parce que dans ces rues de Bénarès, qui étaient les vrais lieux de l'industrie des artisans, ils avaient leur petite échoppe, mais c'était surtout la rue, eh bien, dans les rues passaient les prédicants, les chanteurs, les conteurs, et ils étaient jour et nuit, et surtout les nuits, occupés à écouter les grandes légendes, les grands mythes, par exemple celui que vous citiez au début de Markandeya, qui lui aussi n'était pas un vieillard. Il avait bien 1000 ans, mais il était resté toujours à l'âge de 16 ans. Ô Ram, à Ayodhya, je ferai tous les métiers
immergé dans l'absolu, je ne craindrai plus la mort. Je me ferai potier et fabriquerai des vases d'argile. Je me ferai blanchisseur et laverai toute souillure. Je me ferai tanneur et je teindrai les peaux au prix de ma caste et de mon honneur. Je serai fabricant d'huile et ferai de mon corps le pressoir et je moudrai mes mérites ensemble avec mes péchés. Je mènerai bien droit mes 5 bœufs en les liant du joug de Raham. Je me ferai capitaine et je manierai l'épée et je pratiquerai tous les exercices de l'âme et du corps. Je me ferai barbier et je raserai l'esprit. Je me ferai charpentier et je scierai le carment. Je me ferai ascète et je maîtriserai mon corps. Je me ferai chasseur et l'esprit sera mon gibier. Je me ferai marchand et je trafiquerai de la réalité. Je me ferai joueur et je battrai la mort au jeu. Je ferai de mon corps la barque et de mon esprit le batelier. Et ma langue sera l'aviron. Dit Kabir, ainsi je traverserai l'océan de l'existence. Moi-même je serai sauvé et mes ancêtres avec moi. Par longueur de 6 mois, elle a filé tous les chevaux de la vie. Et les gens disent, elle a bien travaillé, la pauvrette. C'est vrai qu'elle a filé du beau fil, mais sans son rouet, comment donc s'en tirerait-elle? On sait, Florence de Souza, que Kabir, toute sa vie, eut à lutter à la fois contre les brahmanes et puis contre les institutions qui étaient représentatives de l'islam. Or, les brahmanes, comme les tenants de l'islam, se retrouvaient dans une hostilité presque générale et une hostilité qui allait souvent jusqu'à l'exclusion vis-à-vis du monde féminin. Alors Kabir, lui, va au contraire introduire la dimension féminine dans l'univers spirituel de l'Inde. On raconte une histoire que les brahmanes lui en voulaient tellement qu'une fois on lui a envoyé une courtisane pour le distraire de ses dévotions. Et au bout de la soirée, les brahmanes sont venus voir et la courtisane était touchée de la grâce. Elle était entrée dans la dévotion au pied de Kabir. Parce que pour Kabir, il est absolument nécessaire que le masculin et le féminin soient profondément mêlés, qu'il n'y ait pas de séparation entre les différents règnes du vivant. Oui, il ne faisait pas de distinction ni entre castes, ni entre hommes et femmes. Même pour Dieu, c'était ouvert à tout le monde pour lui. Et belle, ricane la vieille, je reste toujours jeune et toujours fascinante. J'ai perdu toutes mes dents, mâchées du bétel. Au fil du Gange, ma chevelure s'en est allée. J'ai perdu mes 2 yeux à les peindre au collyre et j'ai gâché ma vie dans les bras des amants. Je pourchasse les sages et charme les insensés. La vieille chante avec joie. Qui croque fils et mari? Ô Ram, ta Maya les a tous égarés. Quel est donc son secret que nul n'a pu percer? Les dieux, les hommes, les sages, elle les fait tous danser. Dans l'atelier de Tisserand, apparemment la femme n'est pas très présente. Mais pourtant elle joue dans cette activité textile une activité importante, sur un autre plan peut-être. Pour filer le coton et l'embobiner, pour préparer le fil pour le tissage, là c'est souvent les femmes qui participent. Et puis après pour la broderie des tissus déjà préparés, là aussi les femmes aident beaucoup. On a souvent remarqué que dans le textile indien, une des préoccupations majeures, surtout pour le port du vêtement, c'est d'avoir un tissu sans couture. Alors on peut se demander ce que représente cette absence de couture. Guy de Lery remarquant par ailleurs que la poésie de Kabir est, comme le vêtement indien, une poésie sans couture. Oui. Traditionnellement, le sari, par exemple, c'est un long bout de tissu qu'on enfile autour de soi. Et donc, ça peut se porter d'une femme à l'autre
sans prendre soin de la taille. Le même sari peut servir à une femme grande, à une femme petite, à une femme plus forte, à une femme plus mince. Et c'est peut-être par l'économie. On porte toujours des... Même les hommes, souvent, ils portent le dhoti, qui est aussi un long bout de tissu sans couture. On l'enfile autour de la taille. Et puis, on prend le tissu dans son entièreté. C'est pas découpé, c'est pas taillé. C'est le tissu entier en tant que tel qu'on met sur soi. Et est-ce que les statues des déesses sont recouvertes aussi de vêtements? Oui, oui, avec beaucoup de soin. On prête beaucoup d'attention à la vêtir tous les jours. D'ailleurs, il y a les desservants du temple qui s'occupent de la toilette de la divinité tous les jours. Et est-ce que dans ce rituel, dans cette liturgie de la déesse, qui est au fond un double de la liturgie des créatures de la vie quotidienne, les couleurs jouent un rôle? Je veux dire, on pourrait penser que comme dans la liturgie chrétienne, si vous voulez, il y a des couleurs qui sont affectées à chacun des jours de la semaine, ou qu'en tout cas, il y a des couleurs privilégiées à certaines époques privilégiées. Non, la seule couleur qui a une connotation très forte, c'est le blanc, qui est porté que par les veuves et les renonçants. Par contre, toutes les autres couleurs se valent et témoignent de la vie, sans distinction. Peut-être au moment du mariage, c'est le vert et le jaune qui sont privilégiés parce que peut-être on les associe avec la fécondité et le débordement de joie, je ne sais pas. Mais le blanc est plus connoté pour les renonçants et les veuves. Le singulier dans l'expérience de Kabir, c'est que finalement... Et probablement illettré, n'a jamais rien écrit, que par conséquent, il se propose, enfin au regard de l'histoire, un peu comme un Socrate. Et ce Socrate hindou ne va pas manquer de trouver son Platon, ou plutôt ses Platons. Car voilà ce jeune garçon qui tisse les mots, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui chante dans son atelier ou dans la forêt, et dont les poèmes vont connaître ensuite une singulière fortune recueillie, transcrite par ceux qui l'auront en grande vénération. Et on peut se demander si, dans ce refus de l'écriture, refus volontaire ou involontaire, il n'y a pas une démarche qu'on pourrait apparenter à celle des anciens Celtes, c'est-à-dire des gens qui connaissaient les pouvoirs de l'écriture, mais qui ne voulaient pas utiliser l'écriture dans la mesure où il voulait recourir à une expérience intérieure plus riche, qui était l'expérience même d'une mémoire enrichie par l'imagination. Je pense que les brahmanes, à l'origine comme les druides, dont ils sont les cousins, avaient en effet horreur de l'écriture. Parce que l'écriture était réservée aux marchands, aux commerçants, c'était pour faire des comptes. Pour laisser des signes. Pour laisser des signes, mais des signes mercantiles. Ce n'était pas une parole de Dieu d'abord. La parole de Dieu ne peut pas être écrite. S'il y a une civilisation, une religion qui a toujours refusé d'avoir des livres sacrés, c'est l'Inde. Parce qu'elle ne peut pas concevoir que Dieu puisse passer par le travail du scribe, qui est celui du marchand et du commerçant qui fait ses comptes. La parole de Dieu va directement à celui qui écoute. Et lorsque l'on parle des écritures hindoues, on devrait dire c'est l'écoute, c'est la tradition orale hindoue, parce que les Védas n'ont jamais été écrits pendant des siècles et des siècles. Ils ont été transmis de gourou à disciple directement. Et c'est dans ce contact direct entre la bouche du gourou et l'oreille du disciple que seulement la parole est efficace. Lorsqu'elle est écrite, elle n'est pas efficace. Ou alors ça devient de la magie. Il faudrait rappeler ici d'ailleurs que tout l'environnement dans lequel a pu grandir Kabir, cet environnement hindou de Bénarès, il a pour toile de fond
la musique, le son. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concevoir ce monde hindou privé de cet arrière-fond qui est au fond référence à ce son primitif dont serait née la création. Et le sens le plus important, ce n'est pas l'œil comme chez nous, c'est l'oreille. La rue où travaillait Kabir, où travaillent les artisans, c'est un lieu sonore, jour et nuit, dans les grandes villes. Pendant la journée, on y écoute tous les chants des différents métiers, et dès que le soir tombe, dès que la fraîcheur arrive, c'est l'heure des conteurs, l'heure des chanteurs, l'heure des musiciens, l'heure des danseuses, oui. L'univers est sonore. Et cet univers sonore est celui même qui est, je dirais, le lieu primitif et le lieu central de l'homme, de l'humanité et de tout le cosmos. À Bénarès même, il y a une colline qui domine un peu la ville, sur laquelle il y avait autrefois un des plus anciens temples de Shiva, et qui est dédié à Shiva en tant que Omkareshwar, celui qui se manifeste dans la vibration primordiale qui est le Om, que l'on retrouve au début des Upanishads et au début de tout texte un peu mystique et un peu sacré en Inde. Donc, en quelque sorte, Bénarès est la ville du Om, la ville de la vibration. La mante se tient sur le chemin, les yeux pleins de larmes, elle attend et soupire. Son chagrin la torture, mais elle reste immobile dans l'espoir d'obtenir la vision du Seigneur. Ô noir corbeau, que ne prends-tu ton vol? Vite, ramène-moi Ram, mon bien-aimé. J'ai retrouvé dans le livre d'Eliade consacré à l'Inde un texte qui se réfère précisément à cette présence de la musique dans la grande ville. Et Eliade, il y a probablement dans chaque maison un harmonium ou au moins une soprano. Je ne saurais expliquer autrement la litanie ininterrompue qui envahit les rues, mais le charme serein qui se dégage de ces lamentations monotones, seul Bénarès peut l'expliquer. À cette heure du soir, une paix indéfinissable se répand sur la ville. D'ensanglanté qu'il était, le ciel devient de plus en plus bleu, de plus en plus sombre et froid. C'est l'heure aimée des femmes, l'heure où elles mettent leurs plus beaux saris et où elles se parfument à l'huile de cannelle. On ne les devine qu'à peine, là-haut, derrière les parapets de pierre, leurs voiles flottant sous la brise, mais on les entend chanter et réciter les poèmes du jour. Alors, si j'ai fait allusion à ce texte d'Eliade, c'est que il nous ramène aussi à une présence qu'on évoque rarement dans ce contexte hindou et qui, sans doute, a joué quelque rôle dans la formation même de la poétique de Kabir, qui est la présence mystérieuse de la femme et de la musique de la femme. Dans la conscience même de Kabir, comme dans celle des autres poètes mystiques de l'Inde, je crois que on discerne très peu cette présence féminine. Je pense que ce qui est présence féminine en eux, c'est la parole. La parole est féminine, le chant est féminin, mais c'est du féminin mythique. C'est pas du féminin charnel et concret. Vous voyez, Shiva et Parvati, ce sont les deux grandes divinités centrales de Bénarès. Or, on ne trouve pas de temple à Parvati à Bénarès. On trouve les temples d'autres divinités féminines, comme Annapurna ou Kamakshi, bien d'autres. On trouve des temples aux 64 yoginis, mais de temples à Parvati elle-même, on n'en trouve pas.
parce que pour l'adorateur, lorsque l'on vénère Shiva, on vénère en même temps Parvati. Ils sont inséparables. Il y a même une légende à Ménarès qui raconte que, alors c'était tout à fait à l'origine des temps, donc après le mariage de Shiva et de Parvati, lorsqu'ils ont enfin réussi à expulser ce roi de Ménarès et qu'ils se sont installés, ils ont commencé à installer leur cahute dans un jardin qui s'appelle le bois de béatitude. Et là, ils ont continué à faire à la fois, d'une manière très intime, leurs exercices ascétiques et leurs exercices érotiques. Et pour être tout à fait tranquille, Shiva et Parvati ont décidé de demander à Vishnu de s'occuper de gérer le monde pendant que eux, ils étaient occupés ailleurs. Alors Vishnu, tout à fait heureux, accepte, s'installe sur les bords du Gange, il lance son disque sur la terre, il creuse une espèce de réservoir qui se remplit d'eau, et dans cette eau, il se regarde comme dans un miroir. Un jour, Shiva et Parvati vont voir ce qui se passait dans le monde, c'est-à-dire à Bénarès, et comment Vishnu s'en tirait. Ils arrivent et ils voient Vishnu en train de contempler son image dans le miroir du lac. Ils sont tellement heureux de voir Vishnu, qui au fond les contemplait eux, et qu'ils se jettent dans le lac et qu'ils commencent à s'amuser dans le lac. Il s'amuse tellement que Parvati perd ses boucles d'oreilles et Shiva son collier. Et c'est pour ça que ce lac qui est à l'origine de Bénarès s'appelle le lac de la perle et du collier Manikarnika. Les femmes dans la maison de Kabir, comme dans toutes les maisons hindoues de cette époque-là et sans doute encore aujourd'hui, joue un grand rôle dans une activité à laquelle Kabir va donner une place considérable et une place particulièrement symbolique. Il veut parler de tout ce qui touche à la lampe et à l'huile, parce que on sait que la grande obsession de Kabir, c'est que la lampe ne vienne à s'éteindre. C'est la lampe du foyer, mais c'est aussi la lampe de la vie. Et ce sont les femmes qui, dans l'Inde de cette époque-là, comme aujourd'hui sans doute, assument précisément l'entretien et l'usage des lampes. Oui, oui, c'est effectivement, par exemple, dans chaque maison, on a un petit hôtel familial et c'est toujours dans la cuisine. Et c'est la femme qui allume chaque jour la lampe dans l'hôtel de la cuisine. Et puis pour la fête de Diwali, par exemple, on allume tout un tas de petites lampes dans la maison et c'est toujours la femme qui allume la lampe dans la maison. Et qu'est-ce que c'est que cette fête à laquelle vous faites allusion? C'est la Noël indienne. Ça vient après la fête de Dasara, 20 jours à peu près. Donc le roi Ram est rentré victorieux de son exil dans la forêt. Et on fête le triomphe du bien sur le mal. Et donc on allume, c'est une explosion de joie. Il y a des feux d'artifice, des sucreries, des lampes partout. Et c'est à peu près la même date que nous à Noël ou... Non, c'est un mois, c'est novembre. En novembre. Oui. Alors est-ce qu'on pourrait décrire un petit peu ces lampes? C'est tout simple, c'est ou en terre, maintenant c'est une petite cuve en métal avec de la cire dedans. Autrefois il y avait de l'huile et on met une mèche en coton qu'on fabrique à la maison même. On roule un bout de coton très fin pour que ça devienne comme une mèche. Et puis on allume et tant qu'il y a de l'huile dans la lampe, ça continue, la petite flamme continue de brûler. Et c'est une combustion continue, on ne l'éteint pas la nuit sur l'autel de la cuisine. Non, c'est que quand il n'y a plus d'huile dedans, ça s'éteint tout seul. Oui. On rallume le... L'huile s'est épuisée, la guitare s'est tue, le danseur s'est couché,
Le feu s'est éteint et nulle fumée ne s'élève. L'âme s'est absorbée dans l'unique. Il n'y a plus de dualité. Quand la corde est cassée, la viole ne vibre plus. Elle s'est perdue et ne sert plus à rien. C'est en vain qu'on la sermonne et qu'on l'exhorte. Quand même elle comprendrait, elle ne sait plus chanter. Dit Kabir, celui qui a triomphé des cinq sens, celui-là n'est pas loin de la délivrance. Alors ce thème de la lampe, dont on retrouverait bien des traces dans notre propre tradition, me paraît absolument capital parce que nous avons privilégié tout à l'heure l'oreille comme élément d'aperception et de communication avec le monde. Là, nous nous trouvons dans cette sollicitation de la lumière, une lumière dans laquelle Kabir va apercevoir non pas le visage de tous les dieux, puisqu'à un moment donné, tous les dieux disparaissent, mais le visage même de quelque chose que, à défaut d'autres noms, nous appellerons l'infini. C'est peut-être même là que l'on pourrait discerner la présence féminine. Parce que, par une extraordinaire chance, la lampe est au féminin, en français comme en sanskrit, donc le symbolisme sexuel marche. Mais la lampe, la lumière, c'est donc la plus haute composante de l'être cosmique et de l'être humain. Mais cette lumière est fabriquée par l'homme. Elle n'est pas du côté du divin. Du côté du divin, c'est le son. Mais la lampe est fabriquée par l'homme. L'huile est fabriquée par l'homme, par l'huilier, qui est une des castes très importantes de l'Inde du village. Tout cela, c'est l'activité de l'homme. Et la lumière de la lampe, c'est la joie de l'homme. C'est la joie qui flambe dans le cœur de l'homme. Ce n'est pas celle qu'il reçoit de Dieu comme dans un éclair. Ça, c'était au temps védique, c'était lorsque Indra tonnait avec les nuages de la mousson. Non, la lumière dans l'œuvre de Kabir, comme dans l'œuvre des autres poètes mystiques, c'est sa lumière à lui, sa propre joie interne. Et c'est cela qui illumine ce magma de boue de ce monde de détresse et de malheur. Alors, ça fait penser que dans la tradition chrétienne, tardivement d'ailleurs, je pense que ça se manifeste surtout à partir du XVIIe siècle, on voit apparaître le cœur enflammé, ce qui donne naissance dans nos pays au culte du Sacré-Cœur. C'est-à-dire la figuration, la représentation d'un cœur dans lequel la flamme s'épanouit. Il y a au moins une correspondance, certainement. Et pour en revenir à Kabir et à notre Ram, vous savez que celui qui aime Ram plus que tout, c'est le singe Hanuman. Et lorsqu'ils ont eu accompli tout ce qu'ils devaient accomplir en allant massacrer le démon Ravana dans l'île de Sri Lanka, lorsque Ram revient en Ayodhya, dans son royaume, pour reprendre le trône, accompagné de Sita qu'il a délivré et de son fidèle Hanuman, après quelques cérémonies d'accueil, Sita remarque que Hanuman refuse de recevoir tous les hommages, toutes les médailles, tous les colliers d'apparat dont on voulait le combler. Et elle demande à Hanuman, pourquoi tu refuses ces colliers et ces médailles? Et alors Hanuman prend un des colliers qu'on lui avait offert et le brise avec ses dents. Il prend chacune des perles et les brise dans ses mâchoires puissantes. Et ensuite, il montre à Sita, regarde,
Ce sont des richesses peut-être, mais à l'intérieur on n'y trouve pas le nom de Rama. Tandis que, et alors à ce moment-là, il prend avec ses griffes, il s'ouvre la poitrine, il découvre son cœur palpitant, et là, Sita aperçoit dans le cœur de Hanuman le nom de Rama. Et c'est pour cela que dans beaucoup d'images pieuses en Inde, on voit le Sacré-Cœur d'Hanuman ouvrant son cœur, et de son cœur, comme chez nous, s'échappent les flammes de l'amour. C'est l'amour fidèle, c'est la fidélité à tout rompre. Oui, d'ailleurs, les tisserands de Bénarès fabriquent encore, je crois, des écharpes tissées avec le nom de Ram. Et on fabrique aussi des briques sur lesquelles est porté le nom de Ram. Et peut-être convient-il ici, Guy Delery, de nous illuminer un peu ce nom plus que ce visage de Ram. C'est-à-dire que je pense qu'ici, on bénéficie, et plus exactement Kabir nous fait bénéficier, de sa double origine à la fois musulmane et hindoue. Parce que, en effet, lorsque Kabir prononce le nom de Ram, il prononce en même temps le nom de Rahim, qui est un des noms de Allah. Et pour lui, le Ram qui occupe sa pensée, son chant, son inspiration, ce n'est pas vraiment le roi mythique d'Ayodhya, le roi guerrier. C'est le dieu transcendant, absolue transcendance. Et quelque part dans un de ses poèmes, il dit « Les avatars, c'est-à-dire les incarnations de Dieu comme Krishna, Ram et les autres, elles sont mortes. » Et en effet, on montre en Ayodhya le lieu où Ram est reparti vers son ciel avec toute la population d'Ayodhya. Ils sont morts. Et ce qui intéresse Kabir, c'est le dieu qui reste toujours au-delà des images et des noms. Et pour lui, Ram, comme sans doute, je crois, pour Gandhi, lorsqu'il est mort, vous savez, il est mort en prononçant le nom de Ram, qui était ce Ram-là, ce Ram de Kabir, qui est l'inconnaissable, l'insondable, l'indicible, le transcendant absolu. La pluie tombe et mon âme languit après mon Seigneur. Là où le rythme du monde tour à tour prend naissance et meurt, c'est là que mon cœur a atteint. Là, les bannières cachées flottent au vent. Dit Kabir, mon cœur se meurt de vivre. Là, le ciel s'emplit de musique. Là, il pleut du nectar. Là, les cordes de la harpe vibrent et les tambours battent. Quelle secrète splendeur est là, dans ce château du ciel. Là, il n'est plus question de lever et de coucher du soleil. Dans l'océan de révélation qu'est la lumière de l'amour, le jour et la nuit ne font qu'un. Joie à jamais, ni douleur, ni lutte. Là, j'ai bu, rempli jusqu'au bord, la coupe de la joie parfaite. Là, il n'y a pas de place pour l'erreur. Dit Kabir, là, j'ai été témoin des jeux de l'unique félicité. Le ciel est tout noir de nuages et le soleil couché. Le guide s'est égaré dans la forêt inextricable. L'amante s'est perdue loin de son aimé. Et elle plie son manteau pour se couvrir la tête. Elle, qui ne peut supporter même le poids d'une fleur, se plaint à ses compagnes. Plus le manteau se trempe,
plus lourd est le fardeau. Pour Kabir, son Ram, qui est bien sûr intérieur, il l'appelle très souvent le Sadguru, c'est-à-dire le maître intérieur absolu. On s'est bien sûr demandé si Kabir avait eu de vrais gourous, on ne sait pas, parce qu'il se réfère toujours à son gourou intérieur. Et ce gourou intérieur, là encore, je pense, on rejoint la méditation des nattes, des moines, des ascètes nattes, qui, pour se concentrer à l'intérieur d'eux-mêmes, dessinaient sur le sol ou sur les murs, ou sur des tissus, dessinaient des diagrammes, des yantras. Et au centre de ce yantra, de ce diagramme, il y avait un triangle, et ce triangle était l'expression de l'énergie primordiale, et là on retrouve la présence féminine. Le centre de l'homme, c'est la femme, en quelque sorte. Et au centre de ces triangles, il y avait le bindu, qui est la goutte primordiale, souvent considérée comme un trou, un puits, où, en se concentrant, l'esprit de l'ascète et du méditant se perd complètement et va ailleurs. Et cet ailleurs, c'est l'espace féminin qui est au centre de chacun de nous. Alors là, oui, Kabir a médité sur la femme qui était en lui. Et c'est dans ce puits intérieur que résiderait peut-être cette semence primordiale qui joue un rôle si important dans le lyrisme de Kabir, enfin l'obsession d'un pouvoir fécondant, parce que cette réalité intérieure qui est découverte ainsi par le maître n'est pas une réalité intemporelle, enfin le monde est en mouvement. C'est la réalité qu'il découvre en atteignant, en quelque sorte, à des moments privilégiés, et par la grâce de Ram, par la grâce du Sadguru, il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas un effort, c'est toute la différence qu'il y a entre Kabir et des ascètes plutôt inclinés vers les exercices du yoga. Ce n'est pas son effort qui lui permet d'atteindre à ce trou primordial. C'est la grâce de Dieu. Et il atteint là la fine pointe de son âme, qui est une pointe féminine, bien sûr, et il doit le quitter. Il doit redéployer ses puissances à partir de ce point central, qui est le point du yantra. Oui, mais ce sont des moments privilégiés. Et le poète, lorsqu'il est dans son échoppe, en train de tisser ou de chanter, dans la rue ou sur les routes de pèlerinage, il est beaucoup plus à la périphérie de ce lotus qu'en son centre. C'est-à-dire qu'il est comme le pèlerin qui tourne autour de Bénarès et peine sur la route avec les rochers, avec les cailloux. Et il est en pèlerinage. Et par des moments venus de la grâce de Dieu, il atteint à une fusion merveilleuse où il goûte une joie extraordinaire, mais cela ne dure pas. Et donc, dans ses poèmes, Kabir est constamment à dire à Dieu, à dire à Ram, « Pourquoi n'es-tu pas là? Pourquoi es-tu absent? Pourquoi me laisses-tu seul ?» Et dans son humour de poète, il dit « Tu dois être avec quelqu'un d'autre. » Nulle part on ne voit de plaie. D'où vient donc la douleur? En vain on examine le corps.
La blessure est invisible. Celui-là seul comprend ce mal qu'il a éprouvé. L'amour de Raham est un dard à serrer. Ô frère, toutes les femmes ne paraissent-elles pas semblables? À quoi donc reconnaîtrai-je la compagne bien-aimée du Seigneur? Celle qui porte le signe de sa destinée sur le front, celle-là seule obtient la faveur de l'époux. La jarre est dans l'eau, l'eau dans la jarre, au dehors et au dedans, rien que de l'eau. La jarre s'est brisée et l'eau s'est mêlée à l'eau. Ô sage, dites-moi quelle est donc cette réalité? Jour et nuit, une angoisse cruelle m'accable et je ne peux dormir. Je soupire après le rendez-vous que me fixera mon bien-aimé. Et je n'ai plus aucun plaisir à demeurer dans la maison de mon père. Les portes du ciel sont ouvertes. J'entre dans le temple. Je rencontre mon époux. Et je dépose à ses pieds l'offrande de mon corps et de mon esprit. Il y a un territoire qui est rarement évoqué par Kabir et qui pourtant n'est pas sans relation avec cette joie qui habite au fond de nous et dont l'objet, si vous voulez, est précisément de nous restituer constamment sur le socle même, le socle le plus profond de l'existence. Je veux parler du territoire de la nuit et du songe, le monde du nocturne contre lequel cette lampe si ardemment chérie par Kabir devrait nous protéger. Parce qu'il faut traverser le nocturne, parce que, comme vous le savez, dans la trajectoire du mystique en Inde, vous passez d'abord de l'état de veille à l'état de sommeil avec rêve, et ensuite de sommeil sans rêve, et enfin de sommeil total dans la conscience pure. C'est-à-dire que la nuit n'est pas obscurité, la nuit c'est une étoile. La nuit, non, c'est le lieu où justement il a besoin de sa lampe. Et donc pour arriver à la nuit pure, c'est-à-dire à la conscience sans illusion et sans réalité, il faut éteindre aussi sa lampe. On évoque aussi un monde dans lequel la lune serait toujours pleine. Dire qu'au fond, soleil et lune seraient deux luminaires qui alterneraient tout au long du jour. Surtout en Inde, c'est important puisque le jour et la nuit ont une durée à peu près équivalente et qui n'est pas soumise aux mêmes fluctuations que nous à travers nos saisons. Par conséquent, il y aurait deux feux, un feu solaire, un feu lunaire, un feu du jour, un feu de la nuit, mais que toujours l'or du ciel rayonnerait sur le monde. La lune, comme vous avez pu l'admirer avant-hier soir dans notre ciel parisien, était pleine et était merveilleuse. Et bien sûr, elle fait rêver. Le soleil illumine la réalité du monde. La lune illumine la réalité du rêve. Mais Kabir nous invite à aller au-delà du soleil et de la lune, au-delà de la réalité objective et de l'illusion du rêve, en un monde où toute lumière et tout son est devenu conscience pure. C'est-à-dire qu'il n'y a plus celui qui parle et celui qui écoute, où il y a une identification absolu entre le connaisseur et le connaissant et le connu. Et c'est là que l'on atteint lorsqu'on arrive dans la quatrième dimension. Mais cela est indicible, bien sûr. Mais il faut oublier la lune et le soleil. Il faut oublier toutes ces lumières. La lune, le soleil et le feu. Attention, parce que là, il y a une trilogie absolument essentielle. Le soleil pour le jour, la lune pour la nuit et le feu pour l'homme.
Et à travers cela, il faut arriver à la quatrième dimension où le soleil s'éteint, la lune s'éteint, le feu s'éteint. Alors peut naître et partir l'oiseau migrateur, l'oise cendré qui part vers le lac de l'Himalaya. Et c'est l'oie cendrée qui réchauffera le cœur humain ? Absolument. On peut se demander aussi l'usage particulier que les Indiens et les femmes indiennes, plus particulièrement, font des fleurs. Car dans les poèmes de Kabir, il est toujours question des fleurs, des bouquets, des colliers. On se rappelle que dans la mythologie hindoue, les allusions sont nombreuses aux colliers de fleurs que les dieux passent au cou des déesses, que les dieux d'ailleurs revêtent eux-mêmes quand ils en ont le désir. Et cette activité du bouquet, cette activité des fleurs, est une activité spécialement féminine. L'offrande qu'on apporte toujours dans le temple, ce qui vient le plus facilement à la main, c'est des fleurs. Et donc, d'ailleurs, en Inde, ça surprend toujours les Européens. On offre des fleurs que la tête de la fleur, pas avec la tige. Donc, on apporte un petit panier avec les têtes des fleurs qu'on offre à la divinité, et souvent c'est les femmes qui offrent le panier de fleurs, et elles-mêmes elles ont l'habitude de porter une guirlande de fleurs dans les cheveux. Alors souvent on voit les gens les femmes qui tissent, qui enfilent des fleurs sur un fil pour faire une guirlande qu'elles mettent elles-mêmes dans les cheveux, et on peut le mettre autour du cou de la divinité ou sur les mains, autour du pied, de la représentation de Dieu. Et les fleurs les plus habituelles dans ce genre de cérémonie ? Le jasmin ou ce qu'on appelle œillet d'Inde. La mort est notre lot à tous. Mais nul ne sait mourir. Nul ne meurt en sorte, dit Kabir, de ne plus jamais mourir. Qui sait mourir, mieux vaut mourir que vivre. Qui meurt de son vivant ne mourra pas à l'âge noir. Une bulle sous l'eau vive, voilà ta vie qui passe. Elle brille un instant, puis s'efface, comme une étoile à l'aube. मैं तो आन पड़ी चोरन के नगर सत्संग बिना जिया तरसे इस सत्संग में लाभ बहुत है तुरत मिलावे गुरु से मूर्ख जन कोई सार न जाने सत्संग में अमृत बरसे सबद सा हीरा पटक हाथ से मुट्ठी भरी कंकर से कहे कबीर सुनो भाई साधो सुरत करो वही घर से. Ça équivaut à peu près. Dans la cité des voleurs, mon cœur a soif de la compagnie des saints. Ce n'est qu'au pied du gourou qu'on atteint à la connaissance, et à force de répéter le nom du Seigneur, on atteint la vraie demeure. Qui a appris à la veuve à laisser consumer son corps sur le bûcher de son époux défunt ? Mais qui a appris à l'amour, à trouver sa joie dans le sacrifice ? À travers le lyrisme de Kabir, ça paraît souvent le thème de la mort. Mais on a bien le sentiment, Guy Delery, que ce thème de la mort nous ramène un peu à l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Ce n'est même pas un passage, disons que la mort apparaît comme finalement non existante dans la mesure où la conscience de l'être a coïncidé avec la conscience du monde. Pour Kabir, Ram est aussi un nom de la mort. Je veux dire, la mort a, dans la mythologie hindoue, son propre dieu, qui est Yama. Kabir le nomme Dharmaraj, c'est-à-dire
le prince, le roi, le contrôleur de l'ordre cosmique. Donc, en tant que contrôleur de l'ordre cosmique, Ram est aussi la mort. Mais ce n'est pas la mort telle qu'on la conçoit, peut-être dans notre perspective occidentale, la fin, le divorce entre les éléments matériels et ce qu'on appelle l'âme. En Inde, et pour Kabir, c'est le redéploiement des cartes. On recommence le jeu. La mort, ce n'est pas la fin, c'est le début d'une nouvelle donne avec nos cartes, si bien que on est perpétuellement appelé à rejouer. La mort, c'est quelque chose de beaucoup plus terrible que chez nous parce que elle nous enchaîne au jeu. On est constamment autour de la table en train de battre ses cartes et puis on fait le mort et puis on recommence et une nouvelle partie. Et ce qu'il y a de terrible dans l'existence humaine telle qu'elle est conçue en Inde, c'est que ça ne s'arrête pas. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'arracher aux griffes de la mort quand on est vivant. Ce n'est pas à la fin qu'on va partir, mais c'est quand on est vivant. Parce que la vie et la mort, c'est la même chose dans cette perspective. Mais je préférerais privilégier une autre image admirable que vous m'avez livrée un jour, qui est celle de cet arbre spécifique au paysage hindou, de cet arbre qui grandit, puis dont les branchages retombent vers le sol et, agissant comme les boutures que nous pratiquons chez nous, deviennent de nouveaux arbres, comme si d'un seul tronc naissait toute une forêt. Vous avez raison, mais tant qu'on est sous l'arbre, qui est l'ashvatha, qui est le figuier banyan, qu'on appelle aussi l'arbre des pagodes, ou le multipliant. Et qui dessine comme une cathédrale. Qui dessine des cathédrales, qui dessine des cloîtres, où l'on va se réfugier. Bon, cet arbre-là, c'est celui-là qu'il faut déraciner. Quand vous voyez au passage de la Bhagavad Gita, où il est dit que cet arbre-là a les racines dans le ciel et ses feuilles sur la terre, eh bien c'est cet arbre-là qu'il faut déraciner. Car tant qu'on est impliqué dans les racines et dans le feuillage de cet arbre, on n'en finit pas de renaître. Il faut couper court. Et comme le dit la Gita, il faut prendre la masse de la connaissance et de l'amour pour arracher l'une après l'autre toutes les racines de cet arbre qui tiennent au ciel. Dans cet arrachement joue énormément cette capacité de fusion que nous avons avec les éléments et aussi est en jeu la fusion des éléments entre eux, car dans la cosmogonie que déploie sur notre regard Kabir, on est frappé de voir cette sorte de mouvement incessant qui guide les formes les unes vers les autres et les fait se dissoudre les unes dans les autres. C'est un mouvement cyclique. C'est un mouvement qui ne s'interrompt pas. C'est le mouvement de la danse, oui. Les éléments ne sont pas étrangers les uns aux autres, puisqu'ils sont tous pétris, tissés de ces trois fibres de lumière, de passion et de ténèbres. Et que tant que dure la mèche ou la natte que l'on tisse dans le cosmos, tant que cette étoffe dure, eh bien, on est prisonnier de son vêtement, on est prisonnier de l'étoffe. Finalement, lorsque l'ascète se concentre sur le diagramme
où il va essayer de réintégrer la fine pointe de sa conscience, à ce niveau-là, dans ce point-là, dans cette goutte-là, il n'existe plus de distinction entre les différentes fibres ni entre les différents éléments. Mais alors, on n'est plus dans la création. Hein. On n'est plus dans l'univers développé, l'univers visible et manifesté. On est dans l'indifférenciation totale, l'indétermination totale. Comme l'on dit, on a atteint le niveau de la conscience sans qualité, nirguna. Kabir, le vagabond céleste. Une émission de Claude Métra avec Guy Delery et Florence de Souza. Texte, les poèmes de Kabir, traduits par Rabindranath Tagore et transcrits en français par Huguette Mirabeau-Torrens dans le recueil La Fugitive, édition Gallimard. Au cabaret de l'amour, paroles de Kabir, traduites par Charlotte Vaudeville, édition Gallimard. Kabir, le fils de Ram et de Allah, présenté et traduit par Yves Moati aux éditions des Deux Océans. Lu par Anne Desbois, Catherine Paoletti et Marie Tonon. Réalisation, Cyril Bécu, Jean-Richard Dufour, Laurent Macchietti et Jean-Claude Loiseau. Par le contact de la Ganga, la rivière est devenue autre. Mais cette rivière devenue Ganga est sauvée. En invoquant Ram, Kabir est devenu autre. Mais il est devenu le vrai et ne va plus nulle part. Par le voisinage du Santal, l'arbre est devenu autre. Mais cet arbre devenu Santal est sauvé. Par le contact de la pierre magique, le cuivre est devenu autre. Mais ce cuivre devenu or est sauvé. Par la compagnie des saints, Kabir est devenu autre. Mais ce Kabir devenu Ram est sauvé. Mali avat dekhike galiyan kari pukar, phuli phuli chunalei kal hamari bar.